L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dont les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et dans ce week-end, ce dimanche, nous la transmettons directement ici du Manaim de Domingos Martins, dans l'état du Espírito Santo au Brésil. C'est une joie de vous recevoir dans ce culte. Vous qui avez reçu un lien, une invitation et participé avec nous comme un invité, soyez bienvenus à notre canal, soyez bienvenus au culte réalisé par l'Église chrétienne Maranatha. Nous allons commencer ce culte avec une prière de clameur par le sang de Jésus. À vous qui arrivez maintenant, nous voulons vous dire que vous pouvez rester à l'aise comme vous souhaitez ou si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste de prière. Mais l'Église, j'invite maintenant à être à genoux avec nous pour cette prière par le sang de Jésus. Nous prions au Seigneur par le pouvoir qui a donné le sang du Seigneur Jésus. Nous demandons ta bénédiction, le pardon de nos péchés et la communion avec ton esprit. Bénis-nous, Seigneur, en ce moment où nous parlons, en nous apportant ton enseignement, ton orientation, ta révélation. Ça, c'est la prière que nous faisons par le sang et au nom de Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir et nous allons commencer cette école biblique dominicale en louant le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur en ce moment et chanter le chant. Vous pouvez chanter avec nous, participer. Les paroles vont être projetées à l'écran. Vous pouvez louer avec nous. Et dans la séquence de la louange, le passage de Tigueiros va apporter à nous une parole ce matin. Libertação e muita cura.
Mes frères et sœurs, je salue à tous dans la paix du Seigneur. Nous sommes dans une école biblique dominicale. Notre sujet porte sur Joseph. Et la figure plus importante, c'est-à-dire ce qu'il plus représente, qui a naturellement pour nous la plus grande signification, c'est l'homme. Joseph, qui représente la figure, l'homme Jésus. La Bible et toute la préoccupation du Père a été de révéler Jésus comme homme. Les personnes disent que Jésus était Dieu quand il est allé au Calvaire. Non, il était un homme. Quand il a ressuscité, il était Dieu. Ça s'appelle le caractère hypostatique. L'Église, dans ses premiers siècles, les appelait patristes, et ils ont discuté sur ça. Si Jésus était Dieu, si Jésus était homme, Jésus est venu comme un homme, sa naissance, la préoccupation biblique de l'enseignement, c'est celui-là, Jésus comme homme, il meurt comme un homme, le corps était là. Quand il ressuscite, c'est Dieu. Donc le caractère hypostatique, c'est celui-là. C'est-à-dire, dans son ministère de la terre, homme, quand il ressuscite, c'est Dieu. Quand il est venu, il a été engendré par le Saint-Esprit, comme Jésus a été engendré par le Saint-Esprit dans votre vie. De la même manière, Jésus a été engendré dans votre vie par le Saint-Esprit. Donc les mystères de Dieu sont les entrelignes que les gens n'arrivent pas à découvrir et qui est de plus grande importance pour la connaissance de celui qui nous a rachetés, celui qui nous a sauvés. Quand nous regardons l'histoire de Joseph, nous sommes en train de voir une histoire avec une signification prophétique qui arrive dans nos jours. L'histoire de Joseph, elle est belle, elle nous attire, elle nous rend émus. Mais ce qui est important à propos de Joseph et de tout ce qui s'est passé, ce n'a pas été simplement les luttes, la souffrance, c'est une belle histoire. Mais ça a été ce que le Seigneur voulait nous montrer par rapport au projet, à son projet, le projet qui était caché à l'Ancien Testament. Et que celui qui n'a pas la révélation n'arrive pas à le découvrir. Il va continuer dans la lettre. Il va continuer à raconter l'histoire. L'histoire, elle est belle. Donc, c'est la Bible et dans l'histoire. C'est-à-dire, toujours quand on parle en Bible, on raconte une histoire qui est déjà dans la Bible. Donc là, c'est l'émotion de parler ce que tout le monde connaît déjà. Et là, tu dis, ouais, il est mauvais de connaître? Bien sûr que non, il est nécessaire de connaître la Bible dans la lettre. Mais ce n'est pas seulement ce que le Seigneur veut pour nous dans ces derniers jours. Pourquoi? Parce que le fiancé Jésus, la fiancée est l'Église. Maintenant, il doit avoir une connexion bien déterminée entre la fiancée et l'époux. Parce qu'il arrive au moment de la rencontre, du mariage. L'époux, il veut connaître la fiancée. Et on va regarder dans le livre Cantique de Cantique, il décrit comment il veut voir la fiancée le jour de son mariage. Et au même instant, la fiancée veut connaître, il veut qu'elle se révèle. Il se révèle en mettant sur la fiancée les éléments qu'il veut voir en ce moment. Cela a été prêché hier et tous savent déjà, l'Église qui s'habille en lin fin, pur, resplendissant, qui sont les actes de justice. Ce n'est pas que l'homme est juste, les actes que le Seigneur justifie dans la vie du chrétien. Regardez bien, quand est-ce que Dieu justifie mes actes? Quand je parle de ces actes de justice. Quand je donne le témoignage de ces actes de justice. Donc, je suis justifié. Je ne suis pas justifié par une loi.
Je suis justifié par la grâce. Parce que la loi, elle dit, vous êtes justifié, tout ce que vous faites de mauvais, donc ça va. Non, c'est pas comme ça. Je suis justifié pour tout ce que je fais de bien. Donc, et ce que je ne fais pas de bien, je dois corriger. Donc, c'est l'ajustement que dont l'Église a besoin en ce moment. Devant tout ce que se trouve, la pandémie, tout, le besoin, nos besoins qui sont beaucoup, les luttes, les combats. Donc, au contraire, ces luttes vont augmenter. Mais il est nécessaire de comprendre qu'il y a un gouvernement sur cela. Nous sommes sur un moment d'un temps prophétique qui n'est pas au début, n'est pas 2000 ans en arrière. Non. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui comme s'il était il y a 2000 ans, quand ils prennent la Bible et commencent à prêcher ce qui a été vécu là-bas par Israël à 4000 ans en arrière. Donc, il va chercher une nouveauté là-bas pour justifier son péché ici. David a péché, etc. Donc, c'est ça. Donc, et nous ne sommes pas préoccupés avec cela. Nous avons une séquence prophétique pour donner à notre peuple. Et cela ne s'adresse pas à tous, parce que la foi n'est pas de tous. Ceux qui vont dans la marche, soudain, ils changent. Bah, OK, il n'y a pas de problème, ils veulent changer. Ils changent de religion, ils changent d'endroit. Au lieu de faire un temple ici, il fait dans l'autre croisement là de la ville. Donc la couverture, c'est d'un matériau. Il veut mettre un autre matériau. Donc le banc, c'est en bois. Bah, il y met quelque chose pour être mou. Enfin, il change ces choses-là. Mais voyez bien, nous avons une responsabilité. C'est ça que notre peuple comprend. Il a déjà compris. Aujourd'hui, nous avons 600 nouveaux ouvriers pour être consacrés à pasteur. Samedi prochain, ce sera une grande fête. Nous glorifions le Seigneur pour ce groupe de serviteurs qui ont compris, qui comprennent jusqu'au moment où ils vont vouloir. Je ne suis pas pasteur. Je suis dans la fonction de pasteur. Tout le monde sait ça. Aucun pasteur de cette œuvre a le titre de pasteur. Parce qu'il veut être pasteur, non. Il est dans la fonction de pasteur pendant qu'il se trouve sous une ordination. Et aux anges qui n'ont pas gardé cette ordination, si Dieu a déterminé pour quelqu'un, aux anges, je veux ceci, c'est ça que je veux. Il a fait une autre chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a jetés dehors. Dieu les a mis dans l'obscurité, dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que il fait partie d'une rébellion qui venait depuis le début. C'est pas une rébellion contre la religion ni contre un groupe. C'est la rébellion contre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit m'a appelé pour cette œuvre et je vais faire une autre œuvre, cela s'appelle rébellion. Donc, le Saint-Esprit, il ne va pas m'accompagner parce que je suis en rébellion. Même pourquoi? Parce que rébellion, c'est un synonyme de chute, c'est un synonyme de mort spirituelle. Ce qui s'est passé, Adam et Ève, ils sont entrés dans une rébellion, ça c'est le problème. Donc, quand je dis, le Seigneur m'a appelé, très bien, je suis malade, je ne peux plus exercer ma fonction, mon ministère. J'ai un problème de famille. Je ne peux plus exercer le ministère. Je ne suis plus en condition. Je n'ai plus de ressources pour vivre. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, les personnes ont tout le droit. Mais quand je dis que ce que Dieu a fait avec moi est un mensonge, que j'ai une autre vérité, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pire, ceux qui accompagnent. Ça, c'est le problème. Joseph a dit, je vais partir, je vais mourir. Mais l'œuvre va continuer. Vous allez ramener mon corps. Mes frères, l'Église, elle n'est pas subordonnée
au vouloir humain. Dieu n'est pas celui qui répond par la détermination humaine. Il ne change pas de place d'un jour à l'autre. Son projet, il est défini. Et l'homme, pour faire un autre projet, il doit se lever contre le projet réel. Il doit inventer des choses. Les personnes, elles prennent un verset et elles créent une religion. Quel est le problème? Vous savez pourquoi? Parce que la Bible, pour eux, c'est de l'intérêt. Un petit morceau ici, un autre morceau ici. Maintenant, on va discuter le sujet sur Luther. Ah, Luther reste derrière. Il a montré, il a fait la réforme religieuse, politiquement, très bien. Il a montré les aspects doctrinaires n'étaient pas corrects et qu'il avait besoin de corriger. Calvin, il discute la forme, comment on devrait faire le culte. Et je pose la question, c'est ça que nous avons besoin de revenir de 500 ans en arrière pour dire ce que le Saint-Esprit est en train de dire maintenant et de dire tout ce que le Saint-Esprit a voulu faire avec l'Église primitive. Donc, mes frères et sœurs, quand nous étudions l'histoire de Joseph, on voit un ensemble prophétique. Et je ne vais pas m'arrêter ici. Parce que d'ici peu, juste, malgré mon âge, il va tirer mon oreille. Mais regardez bien, je tire son oreille ici. Mais il est très joli, je ne peux pas faire ça avec lui. Mais regardez bien. Ce que nous vivons, nous sommes dans un trésor. Je vais poser une question maintenant. Pourquoi les frères de Joseph étaient effrayés quand ils ont ouvert leur sac et l'argent qui était pour acheter la nourriture était là dans leur sac? Répondez, ceux qui sont là. Il y a un petit groupe ici. On va faire comme les oiseaux solitaires. Il y a le groupe ici de science et foi. Donc la question est posée. Si vous ne répondez pas, allez-y. Vous qui savez beaucoup de choses. Alors, où est ici? Celui-là, celui qui est devant. Mais voyez bien. Pourquoi? Ils n'ont pas compris. Et celui qui lit la Bible ne va pas comprendre. Pourquoi? Parce que le pain est sans argent et sans prix. Cela est dans la Bible, c'est dans la Bible. Venez manger, n'est-ce pas? Sans prix, hein, j'allais vous poser la question, n'est-ce pas? Sans prix, sans argent, manger. Donc la figure de Jésus qui donne le pain de la vie. Sans demander rien en retour. Donc, qu'est-ce qui a été donné? C'est son sacrifice. Très bien. Et la femme de Potiphar qui a jeté les habits sur Joseph. Parce que Jésus, il y a. Donc, Joseph a été mis en prison parce que il a porté donc, le péché de la femme adultère. C'est le monde qui a jeté sur lui la culpabilité de son péché. Il n'a pas voulu le péché qu'elle lui a offert. Donc elle a dit, donc toi, tu vas porter mon péché. Il a été mis en prison, il a été jeté dans le fossé. Quand il a fait le rêve, il a interprété les rêves des deux qui étaient avec lui, l'échanson et le panetier, qu'est-ce qu'il a répondu? Le panetier, vous allez mourir. C'est le pain, c'est la mort de Jésus. 3 jours. L'échanson, non, toi tu vas vivre. Mort et résurrection. Mes frères, ça c'est l'histoire. L'histoire qu'on va retrouver dans l'Ancien Testament, c'est une histoire riche, richissime comme celle-là. N'est pas de petites choses comme quelqu'un est en train de dire par là, des petites choses, maintenant nous devons voir dans la parole. Et donc, qui est dehors de la parole? C'est celui qui ne comprend pas ce que la parole dit. Parce que
Cela doit être dicté par le Saint-Esprit. J'ai une question pour dimanche prochain. Je posais une question ici au groupe de Science et Foi. Ils étaient là, avec toute la Science et Foi d'eux, et n'ont pas réussi à répondre. Et il y a un autre de là-bas, il m'a répondu. Regardez, les choses que nous devons comprendre en ce moment, si nous ne profitons pas la beauté de ce moment, quand Jésus veut se révéler, il va se révéler quand? Quand on partira? Quand l'Église va être enlevée. Ah, je vais savoir où se trouve Jésus. On va ouvrir la Bible à nouveau. Vous pouvez ouvrir. Et il dit, des vagabonds viendront en cherchant la parole. Où est la parole? Ce n'est pas la lettre. Où est la révélation? Le Saint-Esprit, il est parti avec l'Église. Et ceux qui suivent simplement la raison, ils vont rester avec la raison. Où est parti ton bien-aimé? Là, on lit en Cantique des Cantiques, le bien-aimé est parti. J'ai l'appelé, il ne m'a pas répondu. J'ai ouvert le cœur, mais il était déjà parti. Mes frères, nous ne vivons pas de nostalgie ni d'émotion, nous vivons d'une parole qui nous conduit. Et quand cette parole, elle ne nous conduit plus, nous devons chercher un autre endroit, qui est notre propre parole, c'est notre propre compréhension. Cela s'est passé avec Absalom, cela s'est passé avec Salomon, avec beaucoup d'autres serviteurs. Saül, qui a été meilleur que Saül? Humainement, c'était la figure idéale. Il a fini ses jours où, avec la sorcière, dans les bras de la sorcière. Et nous avons des personnes ici qui quittent l'œuvre en train de consulter la sorcière. Ah, j'étais dans un bateau. Quelqu'un est passé du bateau, m'a appelé et j'ai quitté l'œuvre. Un homme qui est déjà mort. Regardez, les personnes ne comprennent pas cela. Il n'existe pas cet évangile. Il existe des nouveautés. Donc, regardez bien. Vous comprenez ce que nous disons ici. Des fois, les gens disent, ah, vous parlez mauvais. Non, nous ne parlons pas mauvais. Notre obligation comme des pasteurs, c'est pour avoir du zèle pour cette œuvre. C'est à cause des petits. Ce n'est pas à cause de vous qui savez tout, non. C'est à cause de Barabbas. Tout le monde courait derrière, sautait Barabbas. Ça, c'est la mentalité de l'autre. L'assassin, il fait ce qu'il veut. Il tue le voisin, l'enfant. Et l'autre jour, on applaudit. Et laisse-le partir, c'est Barabbas. Mes frères, nous ne vivons pas d'émotion. Nous ne vivons pas. Nous devons dire ce qui est nécessaire. Nous avons des ministères, nous avons des responsabilités avec le ministère. Où il y a un chrétien à nous, un serviteur de Dieu, il doit avoir l'assistance du gouvernement de cette œuvre. Pas pour discuter, parce que nous n'avons rien à discuter. Discuter quoi? Mais pour dire ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Vous savez, hein? Donc, c'est juste, enfin, il faut assister les gens pour répondre à leurs questions. Mais discuter, non. Discuter quoi? Dans notre parole ici, c'est celle-là, c'est d'encouragement. C'est une parole. Celui qui veut garder les petites conversations, il va faire. Le jour de l'enlèvement, il va prendre une petite conversation comme celle-là, il va rester. Donc, tellement habitué, il est avec des petits mots par-ci, par-là. Oh, vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Des curiosités. Donc, il jette de l'eau dans l'arbre à épis. Ah, vous avez vu combien sont quittés? Non, c'est lui qui envoie, c'est le Seigneur. Et bien aimé, nous devons être attentifs. Nous n'avons rien contre personne. Notre parole est œuvre. Nous avons une direction, un chemin, et nous allons continuer. Avec moi ou sans moi, nous allons rester au bord du chemin. L'autre vont suivre. Donc, moi, je reste dans le chemin si son entre à ma place. Je pense déjà que le jour arrive. Ce n'est pas parce que je suis jeune, non, mais c'est parce que c'est pour tout le monde. L'œuvre va continuer. Donc, mon corps, il va rester ici. Mais
vous allez apporter l'œuvre. Vous allez ramener mes os avec vous, Joseph a dit. Et je vais poser une question sur ça. Avant de finir, je voulais faire un hommage spécial. Vous pouvez afficher ici. Elle s'appelle Danielle Pereira de Brito Ipiranga, de Piabetá, de Rio de Janeiro. La mère, les parents disent, ah, elle saute de joie quand elle voit le passage de Titi. Elle a fait la mère acheter des lunettes comme lui. Donc, elle m'a envoyé une photo. C'est la petite fille là. Tu es mon amie, hein? Je suis sûr que tu pries pour moi. Et je remercie. Et ça, je reçois tout le temps. Mais vous êtes très belle, hein? Vous êtes très belle. J'ai une petite fille aussi. Très bien. Alors, je vais passer la parole maintenant au pasteur Gilson. Mais en disant une chose, aujourd'hui, nous avons une quantité juste de l'Argentine, 16. Pasteur Horacio, 16 contributions, ils ont fait 16 participations. Nous avons ici des frères et sœurs d'autres pays, le pasteur Juan, Mariscal, nous avons le pasteur Wilson, Pouso, Celula, 60 participations de Bolivie, 60 participations. Nous avons des groupes de Vicente Castillo. Donc, je vous salue, Castillo. Il vient de l'Amérique centrale, du Panama. S'il passe un bateau par là, donc, je te salue. Nous avons ici aussi de Nuuk, nos frères de Nuuk, Pasteur Tarcísio, un grand groupe, Pasteur Samir, Pasteur Daniel Oliveira, préciosité ici. Donc ce frère, il est malade en ce moment, mais nous allons continuer à prier pour lui. Il parle très bien portugais. C'est intéressant. Il jouait, il chantait toutes les fois qu'il venait ici. Maintenant, il a été touché par une maladie. Il ne peut plus chanter. C'est une très belle voix. Donc, beaucoup de gens ici, Ronildo, cher, pas besoin de parler, te citer ici, parce que je t'ai déjà parlé sur le travail que tu as envoyé d'autres. Mais le plus intéressant est venu de Russie, de Biélorussie. Et certainement, le pasteur Gilson, s'il a le temps, il va dire quelque chose sur le sujet. Gilson, la parole est avec toi. Les réponses, n'est-ce pas? Donc, é só éloigné de moi, parce que tu es très jolie, mais éloigne-toi de moi. Mettez votre masque. Amen, mes frères. Nous sommes très joyeux avec la participation de Antonov. C'est un de nos frères de Biélorussie, de la ville de Minsk, la capitale. Il nous a envoyé une participation très intéressante quand il parle. Et quand il répond toutes les questions, mais quelques-unes, il met en évidence, comme la question 3, en parlant sur la prophétie qui s'est accomplie par rapport à Joseph, la vie de Joseph, comme celui qui a pourvu le pain pour ses frères, cela se compare au Seigneur Jésus, comme celui qui a le pain de la vie, très bien placé, quand les frères de Joseph sont venus avec le sentiment de culpabilité. Il place très bien ici prophétiquement. Cela nous parle de notre repentance et la confession de nos péchés pour la culpabilité que nous avons par rapport à notre Sauveur. Très bien placé pour ce frère Antonov de l'église de Minsk en Biélorussie. Mais aujourd'hui, nous allons présenter quelques réponses à travers de quelques vidéos que nous allons placer ici aux frères et sœurs, avec les réponses pour cette école biblique dominicale. Car nous avons eu cette fois-ci un record de participation
de notre école publique, un nombre qui a dépassé 3 500 personnes qui nous ont envoyé ses contributions, ses études. Parmi eux, entre Brésil et étrangers, et les vidéos aussi, plus de 100 vidéos nous ont été envoyées pour cette école publique dominicale avec la participation des jeunes, des vidéos des jeunes gens. Et d'ailleurs, on n'a pas le temps pour présenter beaucoup de ces vidéos ici. Nous allons demain, dans la programmation de 19h30, par notre canal YouTube, nous allons présenter d'autres vidéos à nos frères et sœurs. Mais en commençant par la première question liée au sujet de Joseph, dans la symbologie biblique comme un type du Seigneur Jésus, passons à la première question qui était la suivante. En plus des figures typologiques de Jésus à l'Ancien Testament, comme roi, prophète, sacrificateur, quel nom ou la figure plus significative qui ressemble à Jésus comme homme? Donc la réponse à cette question, elle sera donnée tout d'abord par notre frère Victor Gonçalves. Victor est du groupe de jeunes de l'église de Setiba, dans la ville de Guarapari, à l'état de Espírito Santo, Brésil. Victor Gonçalves. La figure qui plus ressemble le Seigneur Jésus comme homme, l'Ancien Testament, c'est Joseph. La parole nous dit que Joseph était un berger de brebis. Et dans une occasion, ses frères sont allés faire paître les troupeaux loin de son père Jacob. Jacob dit à Joseph, tes frères ne prennent pas soin des brebis à Sichem, viens et je vais t'envoyer à eux. Il a dit, me voici. Joseph va vers ses frères et ils ont été pris par l'haine et l'envie. Ils ont vendu Joseph comme esclave et menti à leur père en disant qu'il était mort. De la même manière, nous, un jour, nous étions loin du Père Céleste et il y a eu un dialogue au ciel, comme nous dit le livre du prophète Isaïe, chapitre 6, verset 8. À qui enverrai-je et qui ira pour nous? La réponse a été, me voici, envoie-moi. Le Seigneur Jésus, donc, il vient à cette œuvre comme un homme, comme on voit en Jean, chapitre 1. Le Verbe s'est fait chair et habité entre nous, parmi nous. Le Seigneur Jésus est venu à ceux qui étaient à lui, mais les siens ne l'ont pas reçu, ainsi comme les frères de Joseph ne l'ont pas reçu, Israël aussi n'a pas reçu le Seigneur Jésus. Son peuple l'a rejeté. En Égypte, Joseph est mis en prison à cause des fausses accusations, mais dans son troisième année de prison, il est délivré. Il est ramené à la position de gouverneur d'Égypte afin que le plan de Dieu s'accomplisse sur lui. Et là, il devient celui qui pourvoit ses frères. De la même manière, le Seigneur Jésus est mis en prison à cause des fausses accusations. Mais au troisième jour, il ressuscite pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et tout le pouvoir lui a été donné au ciel et dans la terre. Mes frères, excellente les comparaisons faites par notre frère pour retrouver en Joseph la symbologie du Seigneur Jésus. Quand il compare même l'expression dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8, et le rejet du Seigneur Jésus par ses frères en Jean, chapitre 1, verset 12, les frères, c'est-à-dire Israël, Joseph comme celui qui pourvoit ses frères, Jésus au troisième jour, il est ressuscité, il est amené au ciel, il s'est assis à la droite du Père de Dieu, il a tout le pouvoir. Très bien placé par notre frère, notre jeune homme, Victor. Passons à la question numéro 2. La question numéro 2 dit, en lisant les versets 3, 5 et 11 du chapitre 37 de la Genèse, citez en résumant trois mots qui ont identifié les raisons par lesquelles les frères de Joseph nous l'aimaient pas. Trois mots qui identifiaient les raisons par lesquelles les frères de Joseph ne l'aimaient pas. Nous avons vu cette réponse de notre église en ascension au Paraguay. Le jeune homme Christian Belluto va répondre à cette question. Le pasteur, il s'appelle Ernesto Borgado,
Cette question va répondre en langue espagnole. En lisant le livre de la Genèse, chapitre 37, qu'on l'a dit, Joseph est vendu par ses frères, et au verset 11, nous notons quand il lui dit, ses frères l'ont vendu. C'est-à-dire, la raison par laquelle les frères n'aimaient pas Joseph, parce qu'ils avaient de l'envie envers lui, parce qu'il était très aimé pour son père et son comportement était différent du comportement de ses frères. Et en faisant un rapport avec le Seigneur Jésus et la vie de Joseph, nous retrouvons au l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 10, où nous lisons. Parce qu'il savait bien que par envie, les principaux des sacrificateurs l'avaient donné. C'est-à-dire, nous notons, mes frères, que véritablement le sentiment de l'envie de Jésus, les religieux de cette époque l'ont donné pour être crucifié. Et nous retrouvons la même relation très bien placée pour notre frère d'Ascension. Ascension, quand il cite le chapitre 37, verset 11, il dit, la raison par laquelle ses frères, les frères de Joseph, ne l'aimaient pas, c'est parce qu'ils étaient envieux de lui, parce qu'il était très aimé de son père et sa conduite, son comportement était différent du comportement de ses frères. En faisant une relation avec le Seigneur Jésus et la vie de Joseph, nous retrouvons en Marc 15, verset 10, très, très intéressant sa citation, parce que Jésus savait que par envie, les principaux des sacrificateurs l'avaient donné. Donc nous notons que véritablement, par le sentiment d'envie contre Jésus, les religieux de cette époque lui ont donné pour être crucifié. Nous retrouvons ce même rapport. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Le frère voulait partager avec nous. Nous sommes ici en train de faire cette citation en raison de notre légende. Des fois, les gens qui sont à la maison n'arrivent pas à lire la légende, mais nous sommes en train de répéter ici pour améliorer la compréhension de la réponse. Passons à la troisième question. La troisième question, elle dit, quelle a été la prophétie de Joseph au verset 7, au chapitre 37, qui s'accomplit au verset 6, au chapitre 42, dans le livre de la Genèse? Nous allons donc à cette réponse. Et cette fois-ci, mes frères, nous allons voir une réponse en langue ukrainienne. Notre frère, le jeune Epokhtan Pantuk, c'est de notre église à Kiev, en Ukraine, et il va nous apporter la réponse à la question numéro 3, Okhtan Pantuk. Quand José a été élevé gouverneur de l'Égypte, il a eu la famine sur la terre et ses frères sont venus à l'Égypte acheter du pain. Et nous savons, et ils ne savaient pas qui était José, tous, et ainsi s'accomplit la prophétie que Dieu avait donnée par des rêves à Joseph dans sa jeunesse. C'est donc sa gerbe de blé et de ses frères se sont inclinés devant lui, comme nous pouvons lire dans la Genèse, chapitre 37. Il prenait des rameaux dans le champ. Et celui de Joseph restait debout. Et cela s'est accompli, la prophétie au chapitre 42, verset 6. Joseph, donc, il était gouverneur de cette terre. Il vendait à tous les peuples de la terre. Et les frères de Joseph sont venus et se sont inclinés devant lui. Amen. Donc, Pantuka, fils d'un de nos diacres de notre église à Kiev, il a dit que quand Joseph a été élevé gouverneur d'Égypte, il a eu de la famine dans toute la terre. Et ses frères sont venus en Égypte pour acheter du pain. Ils ne savaient pas qui était Joseph. Et tous, à une seule, se sont inclinés devant Joseph, ce qui a accompli ce qui se trouvait dans la prophétie au chapitre 37, verset 7 de la Genèse. Et après, on complète en disant, de cette manière, la prophétie s'est accomplie, la prophétie qui a été donnée par Dieu à travers un rêve à Joseph. Donc, les rameaux de blé des frères s'inclinaient devant son rameau. C'était sa réponse. Très bien placée par notre frère, la réponse à cette question numéro 3. Maintenant, notre quatrième et dernière question.
Nous allons lire ici, frères et sœurs, la suivante. En lisant les versets 21 et 22, chapitre 42 du livre de la Genèse, la question est, quel a été le sentiment des frères de Joseph à ce moment et prophétiquement, quel a été le rapport qui existe entre cette expérience et la première rencontre du pécheur avec le Sauveur? La question, elle est très complète. Cette question, elle va compter avec l'aide de notre sœur qui est Maria Julia Suarez Neves. Elle vient de l'église centrale de Governador Valadares, dans l'état de Minas Gerais du Brésil. Elle va nous répondre à cette quatrième dernière question. Le sentiment des frères de Joseph était un sentiment de culpabilité et repentance pour le péché. Ils avaient vendu Joseph, jeté dans une cage, ils l'ont considéré mort devant le père Jacob. L'expérience avec le Sauveur, du péché avec le Sauveur, c'est la reconnaissance de son péché, sa culpabilité devant Dieu, et il se repent. L'expérience avec le Sauveur, c'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs et par le sang précieux du Saint Jésus, nous sommes rachetés de tout péché accepté devant Dieu le Père. La compréhension que le Saint Jésus est vivant et que bientôt il reviendra nous chercher. Mes frères, la réponse correcte, c'est celle-là. En vérité, nous sommes tous coupables. Et la sœur a placé très bien le sentiment culpabilité et repentance du frère de Joseph devant lui, dans la présence de Joseph. Et après, l'expérience avec le Sauveur, c'est de reconnaître les péchés devant Dieu et nous repentir en confessant nos péchés au Seigneur Jésus. Très bien répondu, notre sœur de l'Église centrale 2 de Governador Valadares. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette partie. Nous allons prier pour nos enfants, intermédiaires et adolescents, pour donner continuité à cette école biblique dominicale. Prions. Nous demandons avant cette prière que les enfants puissent mettre en position de prière. Nous avons quelques églises qui se réunissent de manière présentielle dans les temples. Dans les limites, nos enfants, intermédiaires et adolescents qui sont présents, nous allons prier pour elles aussi. Prions au Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi par le pouvoir du sang de Jésus. Nous demandons que tu puisses bénir, Seigneur, chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent, principalement par rapport à la compréhension de l'enseignement de l'école biblique dominicale. Bénis aussi leur santé en leur gardant de tout mal. Nous nous rappelons des enfants qui sont dans les bras de leur mère de 0 à 3 ans. Bénis afin qu'elles puissent comprendre ta volonté, aimer ton Église à partir de cet âge. Nous prions pour tes servantes qui sont enceintes, que tu puisses les garder pendant la période de grossesse. Nous rappelons aussi, Seigneur, de prier pour nos sœurs qui sont professeurs, qui enseignent aux enfants l'enseignement et le chemin du Seigneur. Nous voulons prier aussi pour les enfants qui sont en ce moment et reviennent au culte, ceux qui sont quelques-unes même dans des environnements que tu puisses les garder de toute contamination. Nous prions à toi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes très joyeux. Vous vous entraînez beaucoup, n'est-ce pas? Vous allez très bien. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer l'étude, nous allons voir quelques vidéos. Celle-là, c'est Giovanna d'Itabuna, Bahia. Bahia. Celle-ci, c'est l'intermédiaire Gabriela, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Esther Esther Morera, de 6 ans, Teófilo Otoni, Minas Minas Gerais. Gerais. Essas são as irmãs de Celles-là, Jesus. ce sont les sœurs Cristina et Cecilia de 10 ans et 5 ans, Sinop, Mato Grosso.
David Lucas, do Salvador, Bahia. Bahia. Célicice Philippe, de 9 ans, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Celcice Maria Clara de Dizon, Ituiutaba, Minas Gerais. Quelle bénédiction! Continuez à vous entraîner et envoyez-nous vos vidéos. Amen. L'étude dernière, donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait apprendre la longe vient vers le milieu avec deux instruments de percussion, le choucalio et la demi-lune. Ça peut être aussi dans cet instrument entier. Nous avons déjà appris sur le rythme, sur le temps. Donc maintenant, de manière pratique et objective, nous allons voir quel rythme nous pouvons jouer au choucalio comme la demi-lune. Dans le choucalio, dans le compas 4-4, nous pouvons jouer dans le premier temps, deuxième, troisième et quatrième temps du compas, qui c'est une manière plus simple, une manière très bonne pour nos enfants et ceux qui ont un besoin spécifique. Donc, ça serait comme ça. 1, 2, 3, 4. Mais nous aussi, nous pouvons jouer avec le compas 4-4 avec ces notes-là, les cochers. Nous allons jouer au premier temps, mais il y aura un autre demi-temps pour compléter. Toujours dans le premier temps, le temps fort. 1 et 2 et 3 et 4 et... Nous allons écouter. Vamos ouvir. 1, 2 et 3 et 4 et... Et aussi, pour finaliser la louange, nous allons... Et retenir dans les quatre temps, comme ça. Assim. Um, dois, três, quatro. Maintenant, nous allons voir à la demi-lune, ou dans le pandeiro ouvert, le compas 4-4. Nous allons faire ensemble avec l'introduction. Il y a la partie mélodique, mais à la fin, nous allons utiliser un, le premier, le deuxième temps et après le deuxième temps. Regardez. Vamos ouvir. Dans la partie instrumentale de la longe vient vers le milieu, nous pouvons faire ce rythme qui c'est le même du choucalho. C'est de cette manière. Desta forma. Um e dois e três e quatro e... Et pour finaliser, nous allons retenir les quatre temps avec l'instrument de cette manière. Desta forma. Um, dois, três, quatro. Maintenant, nous avons déjà appris cette longe, plusieurs instruments. J'invite les enfants intermédiaires et adolescents, les jeunes, les parents, et nous allons former un grand orchestre, jouant, chantant avec toute joie au nom du Seigneur Jésus. Jusqu'à la prochaine étude et à tous la paix du Seigneur.
Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. La thématique de notre étude, c'est le rêve de Joseph. Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'est-ce que représente le rêve que Joseph a fait. Nous allons voir ce qui dit la parole du Seigneur dans la Genèse 37, 6, 7. Il leur a dit, écoutez, je vous demande le rêve que j'ai rêvé. Voici, nous étions en train de ramasser le blé dans le champ, et voici que donc mon rameau élevé restait debout, et vos rameaux s'inclinaient devant mon rameau. Joseph a été un des 12 enfants de Jacob. Depuis son petit âge, il était un enfant obéissant, il faisait toute la volonté de son père. Et un jour, Dieu a donné à Joseph un rêve. Il a raconté à ses frères. Il a dit, j'ai rêvé que nous étions dans le champ en train de ramasser des rameaux de blé. Et soudain, mon rameau était resté debout et le vôtre se sont mis autour de moi et se sont inclinés devant le mien. Et les frères de Joseph n'ont pas aimé d'écouter ce rêve. Ils ont demandé, alors, cela veut dire que tu seras notre roi et tu vas nous commander? Et les frères de Joseph l'ont rejeté à tel point qu'un jour, quand ils étaient loin de leur père, il y avait donc des marchands madianites qui allaient en Égypte et ils ont vendu Joseph à ces madianites par 20 pièces d'argent. Ils ont dit à Jacob que Joseph, son fils, était mort. Ils ont menti à leur père. Et en Égypte, Joseph a beaucoup souffert. Il est devenu esclave. Il a été mis en prison injustement pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il était oublié dans la prison pour beaucoup d'années. Mais avec toute cette souffrance, il est resté obéissant aux enseignements qu'il avait reçus de son père, toujours fidèle et en craignant à Dieu. Et par une providence du Seigneur, après quelques années dans la prison, Joseph a été amené à la présence du Pharaon pour interpréter deux rêves que personne n'arrivait à donner l'interprétation. Mais Dieu a révélé à Joseph la signification des rêves. Il y aurait 7 années d'abondance et 7 années d'une grande famine sur la terre. Et Pharaon, en voyant que Joseph avait interprété les rêves, a reconnu que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il l'a nommé gouverneur d'Égypte. Voyez que Joseph, il a souffert, il a été injustifié, il a été pris par mort, mais il a été exalté par Dieu, au point que Pharaon lui donne le nom de Zaphenat-Panéa, qui signifie le sauveur du monde. Et la signification de ce nom nous fait rappeler de Jésus, notre sauveur. La famine, selon Dieu nous avait révélé, est arrivé à tous les peuples de la terre en ce moment, et est arrivé aussi à la terre du Canaan, où la famille de Joseph vivait. Et Jacob, en sachant qu'en Égypte avait de l'abondance, a envoyé là-bas ses autres enfants afin de chercher la nourriture. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le rêve de Joseph s'est accompli, parce que ses frères se sont prosternés devant lui. En vérité, tous les peuples de la terre sont venus vers Joseph et se sont inclinés devant lui, y compris ses frères. Et comme Joseph, Jésus, il est venu à ce monde, il a été rejeté par son propre peuple, les Juifs, il a été trahi par 30 pièces d'argent et amené prisonnier. Mais Dieu l'a exalté de manière souveraine. Il lui a donné un nom qui a surtout le nom. Jésus est mort, mais il a vaincu la mort et il a ressuscité au troisième jour. Il est vivant au milieu de son Église. Jésus est notre seul sauveur. Joseph, il a été la solution pour la famine du monde à ce temps-là. Jésus est la grande solution pour la famine de l'âme de l'homme. Jésus est le pain de la vie. Nous vivons des journées, des jours de grande faim spirituelle. Les personnes n'ont pas de paix, n'ont pas de joie, n'ont pas d'espérance. Mais tous ceux qui viennent vers Jésus,
ils retrouvent de la nourriture pour leur âme. Et tel comme c'est passé avec Joseph, quand tous les peuples se sont inclinés devant lui, bientôt Jésus-Christ reviendra et devant lui, tout genou se fléchira et toute langue confessera Jésus-Christ est le Seigneur, il est le roi de gloire, digne de tout l'honneur, louange et de notre gratitude, parce qu'un jour il nous a retrouvés avec cette si grande, ce grand salut. Que le Seigneur nous bénisse, la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Très bien. Nous allons maintenant passer aux questions que vous allez travailler, préparer, les pasteurs, les ouvriers, les dames, pour le dimanche prochain. Nous passons à la première question que nous allons apporter la réponse la première semaine que vous allez étudier. Citez trois manifestations prophétiques de Joseph dans la figure d'homme sacrificateur. Et roi. Je vais reprendre la question. Ce sont trois manifestations prophétiques. Vous allez étudier de Joseph dans ces trois figures ici, dans la figure de homme, sacrificateur et roi. Donc, vous allez étudier la vie de Joseph afin d'apporter cette réponse. Ça, la question, elle est très claire. Passons à la deuxième question qui est un peu plus large. Vous allez chercher la révélation du Seigneur, mais je vais vous donner deux indices. Regardez, quelle a été la plus grande manifestation prophétique de Joseph dans sa vie par rapport à l'Église? Je vais reprendre. Quelle a été la plus grande manifestation prophétique de Joseph en sa vie par rapport à l'Église? J'allais vous donner deux indices. Le premier indice, si vous allez bien prêter attention à l'introduction que le passage de Tir nous a dit, vous allez voir déjà une direction. Et la deuxième indice, c'est une louange qui va être jouée maintenant. Vous allez faire attention dans cette louange, le message de cette louange, ce moment que nous sommes en train de donner le culte de l'autel Seigneur, et dans le message de cette louange, il y a une direction pour cette réponse. Allons-y, on va chanter aussi cette louange.
d'un exil si lointain, ma terre, je vais chanter. De toutes, elle est la plus belle. Je rêve avec elle. Son climat est beaucoup meilleur beaucoup plus meilleur que de cette solitude. Oh, elle me manque, ma terre. Oh, quand est-ce que je vais à Sion? Oh, belle Sion. Ma terre est Sion. Elle me manque beaucoup. Oh, quand est-ce que j'irai à Sion? Là-bas, il n'a pas de pleurs, ni guerre. Il n'y aura pas de révolution. Le loup va manger avec l'agneau et le bœuf avec le lion. Et le jeune homme fait paître les brebis avec le bâton dans la main. Elle me manque beaucoup. Oh, quand j'irai à Sion? Oh, belle Sion! Ma terre est Sion. Elle me manque beaucoup. Oh, quand j'irai à Sion. Gloire à Jésus. Donc voilà un message merveilleux qui est pour nous un indice, une direction pour la réponse de cette deuxième question pour la semaine prochaine. Nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale. Nous voulons rappeler aux frères et sœurs le numéro 0800. Nous rappelons toujours, je pense que vous avez même enregistré dans la tête ce numéro de téléphone, parce que vous pouvez passer ce numéro aux gens qui ont besoin. Ce numéro, c'est pour répondre aux visiteurs qui sont au Brésil. Donc, ce numéro, il marche au Brésil. Ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église, vous pouvez donner ce numéro vert, 0800-707-3076. Vous pouvez donner à qui vous êtes en train de prier, pour qui vous êtes en train de prêcher l'Évangile. Vous pouvez donner ce numéro de téléphone, la personne pourra appeler 24 heures par jour, gratuitement, et quelqu'un, un frère, un pasteur ou presbytère, va répondre à cette personne, va assister, va prier pour elle,
en transmettant une parole de la part du Seigneur pour cette personne. Aussi, nos réseaux sociaux, vous devez être attentif, accompagné, parce qu'à travers les réseaux sociaux, nous donnons des informations à propos des informations sur les événements de l'Église. Et nous rappelons, frères et sœurs, aujourd'hui à 14 h, avant, il y a le bulletin de l'Église. Tout lundi, ce bulletin, il est divulgué, partagé avec les pasteurs. Vous voulez avoir accès au site de l'Église chrétienne Maranatha, vous allez ouvrir le site. À la première page, vous avez accès au bulletin. Vous pouvez cliquer, accéder, partager. Ce sont des informations intéressantes, utiles. Vous allez voir à propos de tout ce qui se passe à l'Église chrétienne Maranatha. Et pour fin, la programmation annonçant l'Évangile éternel. Aujourd'hui à 14 h, à travers la Rede TV, pour les villes qui reçoivent cette chaîne, vous pouvez accompagner la programmation annonçant l'Évangile éternel, où on parle de Jésus à l'Ancien Testament, le tabernacle. C'est un sujet très intéressant, avec une profondeur très grande. Amen. Nous allons prier et remettre à l'autel du Seigneur l'école biblique dominicale. Seigneur, nous te louons pour ton enseignement, pour la direction de ton Saint-Esprit qui ne manque pas. Nous te louons, Seigneur, parce que comme des brebis, comme ton troupeau, nous entendons la voix du berger tous les jours. Ce matin aussi, nous entendons la voix du berger. Et nous sommes dans une marche sûre en direction de l'éternité, en direction à la vie éternelle que tu nous donnes. Maintenant, nous demandons, reçois sur ton autel le culte de ce matin, l'école biblique dominicale, et ramène-nous en paix, Seigneur. Prépare-nous pour encore une expérience avec toi dans le culte de ce soir. Que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit, repose sur vous, mes frères et sœurs, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous nous rappelons du culte à tout à l'heure, à 20 h. Les liens sont déjà partagés. Envoyez aux personnes à qui vous êtes en train d'évangéliser afin qu'ils puissent participer, ceux qui ne seront pas en présentiel dans les églises, afin qu'ils puissent participer du culte dans notre canal YouTube. À tous, la paix du Seigneur Jésus.